navigatrice et navigateur du web, bonjour et bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Chaque fois que vous insérez un périphérique tel qu'un CD, DVD, clé USB ou un disque dur externe, boîte de dialogue s'ouvre automatiquement pour vous proposer l'action à effectuer. Vous pouvez désactiver cette fenêtre si vous ne souhaitez pas qu'elle s'affiche. Sous Windows 7, cliquez sur le menu Démarrer, puis dans la barre de recherche, tapez Service.msc. Sous Windows 8 et Windows 10, cliquez sur l'icône Rechercher, puis tapez dans la barre de recherche Service.msc. Recherchez le service Détection matériel noyau. Sélectionnez le service, puis clic droit. Cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel. Dans le menu déroulant, sélectionnez Désactiver. Puis cliquez sur Arrêter. Cliquez sur Appliquer et OK. Nous allons maintenant nous rendre dans Panneau de configuration. Pour ce faire, sous Windows 7, cliquez sur le bouton du menu Démarrer, puis cliquez sur Panneau de configuration. Sous Windows 8 et Windows 10, cliquez sur le menu de démarrage, puis sélectionnez toutes les applications. Recherchez Système Windows. Cliquez sur Panneau de configuration. Puis sélectionnez Programme par défaut. Cliquez sur Modifier les paramètres de la lecture automatique. Décochez alors les cases. Choisir l'action pour chaque type de média. Et utiliser l'exécution automatique pour tous les médias et tous les périphériques. Cliquez enfin sur Enregistrer. Puis vous pouvez quitter l'interface. Je viens de brancher une clé USB pour l'essai. Une notification sonore m'indique le branchement d'un périphérique externe, mais rien ne s'affiche désormais. Vous avez toujours accès à votre périphérique via l'explorateur Windows. Maintenant, à vous de faire votre choix. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle de la nécessité à laisser un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me soutenir via la cagnotte participative PayPal indiquée dans la description ou la page d'accueil. Merci à celles et ceux qui ont participé et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrice et navigateur du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.